J'ai toujours dit que je ne chante pas ce que je ne maîtrise pas. C'est très rare pour moi de chanter le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je ne le connais pas. Je chante le Dieu des Déborah. Oui, je chante mon témoignage, je chante les prédications, je chante la parole de Dieu. To give hope, to give peace, to give some sort of sense of hope to somebody that is hopeless. Je répète encore, je ne chante pas ce que je ne maîtrise pas. Je ne peux pas chanter les dieux de ces Zéna si je ne connais pas les dieux des Zéna. Je chante le dieu des Déborah, le dieu de mon parcours, le dieu de ma jeunesse. Mon inspiration vient de mon histoire, mon inspiration vient de mon lieu secret avec le Seigneur, dans mes temps de retraite, mes temps de prière. Et I was going to simplify the answer, j'allais dire, veuillons voir demain. But I'm going to say, motherhood does not take away the power that God gives you. Motherhood does not decrease the anointing of God. Pour moi, ça a même augmenté. For me, I feel like motherhood has given me an understanding of who truly God is. Pendant que tu accouches, tu vois la mort, tu sens la mort. And when, as soon as you hold that baby, you're like, Dieu existe, au fait, Dieu existe. So for me, motherhood has been a tremendous blessing. Et je dirais, veillons voir demain ce que le Seigneur va faire. Ce n'est pas de ma force. I have no strength to give to Cameroon, but it's simply by the grace and love and strength from God. Donc demain, ça ne sera pas Déborah Lukalu, ça sera Dieu en Déborah Lukalu. Voilà. Je dis bonjour, bonsoir, shalom à toute personne qui me suit de partout. I greet you all in the name of Jesus. Je suis très honorée d'être là parmi vous aujourd'hui à Douala. C'est vrai que ce n'est pas la première fois, but it feels like a first time. Merci énormément pour votre amour, pour votre accueil. Merci pour votre invitation. Encore une fois, je suis honorée et merci. Question and very tricky. I do have some connections online with some artists that I kept in touch with from my previous concert here in Douala. People that I see from afar, some artists that I see from afar, some, let me say, gospel radio stations that truly believe in me. We send each other emails. Truly speaking, I feel like this time in Cameroon, I came to make relationships. Je suis venue rencontrer des personnes. C'est vrai, quand je suis venue la première fois, j'ai pas rencontré beaucoup de gens. But I feel like this time, I'm going to bug you and force relationship, whether you